أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا قناة تونس 21 مع موعدنا اليومي المباشر بكالوريا 2010. الحصة اليوم أو المادة اللي باش نتناولوها بالدرس هي مادة الفرنسية. للتواصل للتفاعل لطرح الأسئلة علينا نمر التليفون على زمتكم 71-800-814 وإلا 71-280-089. نعود نذكر 71-800-814 هذا الرقم الأول موضوع على زمتكم، والرقم الثاني 71-280-089. كالعادة فما أساتذة موجودين معنا لهنا في الاستوديو، نرحبوا بهم. نرحبوا بالأستاذة نجوى شوشان، أهلا وسهلا ومرحبا. نرحبوا بالأستاذة إنساف المراسي، أهلا وسهلا ومرحبا. نرحبوا زادة بالأستاذة حنان الباروني، مرحبا. ونرحبوا بالأستاذ نبيل بن هلال، أهلا وسهلا ومرحبا بك. نرحبوا زادة بالأساتذة الموجودين معنا في الاستوديو الموازي واللي باش يستقبل المكالمات الهاتفية. نرحبوا بالسيد رمضان الدنقير متفقد المادة، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي رمضان. ونرحب بالأستاذة نجوى الدراوي والأستاذة سيمة ناجي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. البداية تكون مع الكلمة أو النصيحة اللي قدمها متفقد المادة سيد رمضان الدنقير لكل تلاميذ البكالوريا اللي باش يجتازوا سنة الدورة هذه وبالأساس مادة الفرنسية. الكلمة ليك سي رمضان، تفضل. Pour vous accompagner dans vos efforts de révision. À l'approche de la date des épreuves de français au baccalauréat, nous voudrions vous dire que nous partageons vos appréhensions et vos soucis, nous partageons également vos espoirs et nous nous mettons à l'écoute de vos questions relatives à l'épreuve du français au bac. Nous voudrions aussi vous rassurez quant au contenu des épreuves. L'étude de texte, dans ses deux volets, compréhension et langue, ne portera que sur les apprentissages que vous avez reçus durant l'année, conformément au programme officiel. L'essai, quant à lui, portera sur des thèmes que vous avez abordés, étudiés en classe avec vos professeurs. Nous sommes ici pour vous écouter et répondre à vos attentes. N'hésitez pas à poser les questions qui vous préoccupent. Pour les commodités du travail, cependant, le travail sur plateau comme le travail à la régie, nous invoquerons votre indulgence pour répondre dans l'ordre. D'abord aux questions portant sur la compréhension du texte, ensuite aux questions portant sur le volet langue et enfin aux questions relatives à l'essai. Soyez nombreux à nous appeler. Nous vous souhaitons de fructueuses révisions et bonne chance. Avant de vous quitter, je passe la parole à Madame Draoui Najoua qui commencera par rendre compte des premières questions que vous avez posées. Merci. Madame Najoua, bien, alors bonjour à tous. Bien, je commence donc par dire aux élèves qui ont posé des questions portant sur la grammaire qu'ils auront la réponse ou bien sur la partie étude l'essai, ils auront la réponse à leurs questions tout à l'heure. Alors nous allons en premier lieu donc traiter le premier volet de l'épreuve du bac, c'est-à-dire l'étude de texte. Nombreux donc sont les élèves qui ont avoué ne pas bien comprendre le texte. Que conseillez-vous à ces élèves ? Un autre souci également des élèves, comment procéder pour obtenir la totalité de la note? Et enfin, beaucoup d'élèves veulent savoir quel type de questions ils peuvent avoir à faire au bac. Merci. شكرا لك مدام نجوى. الإجابة باش تكون مع الأستاذة نجوى شوشان، الكلمة ليك، تفضل. Bonsoir. Alors, pour comprendre le texte, il faut tout d'abord commencer par numéroter les lignes. Faire attention aux paratextes, aux titres de l'œuvre qui peuvent faciliter votre tâche, à savoir à l'identification de son genre. Donc vous pouvez vous poser la question, est-ce un poème, un extrait de roman ou même un essai? De même, la phrase introductrice peut vous éclairer sur le contexte, le lieu, l'auteur, le siècle, comme elle peut aussi vous permettre d'identifier son type, si c'est narratif, argumentatif, descriptif. Il est important aussi de lire les mots expliqués,
quant au contexte, pour sa part, facilite énormément à la compréhension des mots qui ne sont pas expliqués. Relire le texte en l'interrogeant sur l'énonciation, qui parle, à qui parle. Relire aussi par la suite les questions afin de pouvoir par la suite savoir comment rechercher les éléments de réponse. Et enfin, relire le texte une nouvelle fois en ayant vraiment un objectif bien précis afin de répondre. Donc, en d'autres termes, nous vous conseillons de faire plus d'une lecture. Voilà. الكلمه ليك استاذه انساف تفضل. Alors, l'élève peut être en face de différents types de textes, entre autres le texte argumentatif. Et pour pouvoir parler du texte argumentatif, je vous invite à observer la diapo sur écran. Alors, face à un texte argumentatif, nous conseillons à nos chers candidats d'être attentifs à la disposition typographique, autrement dit, sa mise en page, puisque la disposition des paragraphes et les retours à la ligne peuvent faciliter sa compréhension. L'élève peut aussi s'intéresser à l'énonciation, c'est-à-dire chercher à savoir qui parle à qui. Est-il objectif? Est-il subjectif? Cherche-t-il à influencer son lecteur? L'emploi des pronoms personnels « je » et « nous », par exemple, peuvent révéler l'implication de l'auteur. Mais un « nous » dans un texte montre bien le souci de l'auteur de nous impliquer et de nous gagner à sa cause. Autrement dit, un « je » et « un nous » prouvent que l'auteur, non seulement il s'implique, mais il cherche à nous impliquer. Enfin, dernier point auquel on peut s'intéresser, c'est les connecteurs argumentatifs ou articulateurs logiques. Ceux-là peuvent être d'un grand secours à l'élève, puisque le repérage des articulateurs logiques permet à l'élève de suivre la progression du texte et par conséquent de saisir le raisonnement, la logique de l'énonciateur. Maintenant, pour ce qui est du texte romanesque, je cède la parole à ma collègue. شكرا لك استاذة تعداوليك حنان الباروني تفضل كلمة ليك. Alors nous signalons que l'élève est tout à fait capable d'identifier et de reconnaître le type d'un texte, puisque c'est un exercice qui lui est familier. Il convient tout de même de rappeler à nos candidats de ne pas oublier qu'un texte peut contenir et combiner différents types. Effectivement, donc l'auteur peut faire une pause dans la description. Il peut décrire sa bien-aimée, par exemple, ou décrire les circonstances d'une rencontre amoureuse. Par ailleurs, il arrive, et il est fréquent, que le romancier alterne récits et discours, et ce pour donner une certaine vivacité et authenticité à son texte. شكرا لك أستاذ حنان. Alors, je vais passer à la troisième diapo, si c'est possible, qui concerne le texte poétique. Alors là, je voudrais rassurer nos chers candidats que le texte poétique ne diffère en rien d'un texte d'un autre genre et que l'élève doit procéder de la même manière, c'est-à-dire l'élève est appelé à être attentif à la longueur des vers, au respect de la rime, au respect de la métrique, c'est-à-dire le nombre de syllabes, et voir également si le poème est ponctué, sinon c'est la poésie libre. Voilà. شكرا لك استاذ حنان. الكلمه ليك استاذ نبيل تفضل. Oui, merci. Alors, je vais répondre à l'inquiétude d'un élève qui a dit qu'il n'obtient pas la note malgré sa bonne réponse. Alors, je vais dire tout simplement qu'il n'y a pas de piège dans ce genre de question. Il s'agit seulement d'être attentif à la formulation de la question, au verbe de la consigne. Par exemple, on peut leur demander de relever, de distinguer, de montrer, de faire une comparaison, etc. Donc, il s'agit surtout de distinguer et de cerner la tâche qui fait appel nécessairement à une démarche particulière. Alors, il y a eu une deuxième question aussi concernant les types de questions que l'on peut poser dans une épreuve du bac. Alors, il est à rappeler que les questions sont alors de 3 ou bien 4 grand maximum, que certaines questions peuvent être ramifiées,
hein, qu'il peut y avoir une sous-question, si on peut dire ça. Ensuite, ces questions respectent la progression du texte. Il est à noter aussi qu'il peut y avoir plusieurs mots interrogatifs dans certaines questions, hein, comme quels, hein, il s'agit surtout d'identifier, le comment, il s'agit surtout de montrer la manière ou bien de caractériser, le pourquoi, il s'agit surtout de chercher la cause. Alors, dans la diapo suivante, alors, on va proposer ici, pour mettre en application tous ces éléments théoriques, hein, on vous propose une série de questions qui ont été puisées dans les épreuves du bac 2008, toutes sections confondues. Alors, je vais commencer par la première question de compréhension. Alors, c'est la question du bac 2008, section technique, session principale. Alors, selon l'auteur, les progrès biologiques sont tellement rapides qu'ils peuvent avoir des conséquences tragiques. Quelles sont, selon lui, ces conséquences? Alors, un petit commentaire concernant cette question. Il s'agit surtout de relever plus d'une conséquence, car quelle ici est au pluriel. Donc, il s'agit de dégager plus qu'un résultat. Alors, il s'agit de montrer, de relever les résultats tragiques du progrès scientifique. Alors, d'autres cas seront précisés par Najwa. Alors, merci. Donc, je vais à mon tour commencer par lire la question. J'espère qu'on pourra voir la diapo. Autrement, je vais la lire. Donc, en évoquant dans les deux premières strophes ses souvenirs d'enfance, le poète révèle, révèle les qualités de sa mère, citer deux de ses qualités. Donc on va noter que la question oriente l'élève vers la deuxième strophe, donc cela va lui faciliter la tâche. Ensuite, l'élève va relever les aspects positifs du caractère de la mère dans le texte, à savoir ses mérites, ses atouts et ses aptitudes. Maintenant, je vais passer à une autre question de compréhension pour la section lettres 2008. Donc, la relation entre les deux amis est-elle restée la même? Justifiez votre réponse en vous référant au dernier paragraphe. Alors, on pourra constater que ici, l'élève doit s'intéresser à l'expression « rester la même ». Autrement dit, voir si la relation a changé, a évolué ou même s'est transformée. Pour la justification, l'élève se doit de formuler une réponse personnelle afin d'éviter la paraphrase. Voilà. Alors, la question suivante, on va la voir paraître sur écran. Il s'agit de la question baccalauréat 2008, section lettres, session de contrôle. Le texte s'ouvre sur un constat concernant la société moderne. Quel est ce constat? À quel procédé d'écriture l'auteur recourt-il pour donner plus de force à son idée? L'élève note que le mot « constat » veut dire évidence, vérité, état de fait. D'autre part, la question renferme l'expression « le texte s'ouvre », ce qui facilitera le travail de l'élève, puisque c'est là qu'il doit focaliser son attention, puisque c'est dans la première partie du texte que se trouve la réponse. Donc, vous remarquerez aussi le singulier dans quel constat, et donc il s'agit de relever une seule évidence et une seule vérité. Le deuxième volet de la question s'intéresse au procédé d'écriture. Encore un terme interrogatif au singulier. À quel procédé d'écriture l'élève veillera à relever un seul procédé, mais là, il doit être en rapport étroit avec le constat. L'élève veillera à ce que son procédé soit en adéquation totale avec le constat. D'accord? Alors, la deuxième question... Tiré du baccalauréat 2009, section technologie, session de contrôle, l'auteur évoque un souvenir personnel. Relevé dans le texte deux indices qui le montrent. Alors, il faut relever des indices. Qui dit indice dit élément textuel, qui montre le caractère autobiographique et rétrospectif du texte.
Autrement dit, l'élève doit relever des expressions qui montrent que l'auteur plonge dans son passé, se remémore, se souvient et se rappelle. D'accord ? Alors, pour ce qui est de la diapo suivante, je cède la parole à Hanan. Shukran lik oustada Insamet. الكلمه ليك استاذ حنان. Alors on passe à la question suivante tirée du baccalauréat 2009 section technique session principale. Je lis la question. En quoi les attitudes des deux personnages de ce texte sont-elles différentes ? Alors dans cette question, il faut faire attention aux deux termes attitude et différente. L'élève est appelé dans ce cas à montrer en quoi les comportements ou les réactions des deux personnages sont-ils opposés et contradictoires ? La question suivante, si c'est possible. Alors, baccalauréat, elle est tirée de l'épreuve baccalauréat 2009, section scientifique, session principale. Julie, dans la dernière phrase du texte, relever et expliquer un procédé d'écriture permettant de mettre l'accent sur les caractéristiques propres à la maison future. Et alors là, donc, on remarque une nouvelle fois que l'élève est orienté vers le passage dans lequel il doit puiser sa réponse, c'est-à-dire la dernière phrase. Et ici, on demande de relever et d'expliquer un seul procédé qui doit être étroitement lié à la consigne, c'est-à-dire donc mettant l'accent sur les particularités et les spécificités de la maison future. Alors maintenant, on va passer à l'application pour la production intégrale d'une réponse à une question de compréhension. Donc pour cela, je cède la parole à mon collègue Nabil. Fadl Oustad Nabil. Oui, merci. Alors on va voir un autre cas de figure. Il s'agit de la session principale, section lettres, bac 2009. Je vais lire la question de compréhension, si vous le permettez. Alors, la narratrice évoque la voix de son ancien professeur avec admiration. Quelles sont les qualités de la voix de cet enseignant ? Relevez et expliquez deux procédés d'écriture utilisés pour mettre en valeur ses qualités. Alors ici, on va attirer l'attention des élèves quant à la spécificité de cette question. C'est une question qui est ramifiée. Il y a deux tâches à accomplir. D'une part, l'élève doit identifier les qualités de la voix. D'autre part, il doit identifier les procédés. Il faut aussi attirer l'attention de l'élève sur le fait suivant. Le mot interrogatif est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plus d'une qualité. Alors pour ceci, on va lire un extrait du texte pour mieux répondre à cette question. Alors je vais lire le texte. Alors quand l'attention de l'un ou l'une d'entre nous fléchissait, il s'arrêtait de lire une seconde. Regardez le rêveur en sifflotant. Il avait une voix sonore et lumineuse, un peu feutrée, qui remplissait parfaitement le volume des classes, comme elle aurait comblé un amphi, un théâtre, le Champ de Mars, sans que jamais un mot soit prononcé au-dessus d'un autre. Il prenait d'instinct les mesures de l'espace et de nos cervelles. Il était la caisse de résonance naturelle de tous les livres, l'incarnation du texte, le livre fait l'homme. Par sa voix, nous découvrions soudain que tout cela avait été écrit pour nous. Alors, on peut remarquer ici qu'il y a certains éléments de réponse qui nous intéressent. C'est pour situer la réponse au niveau de cet extrait, à savoir une voix sonore et lumineuse, un peu feutrée, qui remplissait parfaitement le volume des classes. Il y a une deuxième justification qui peut nous intéresser, à savoir il était la caisse de résonance naturelle de tous les livres. Alors on va faire maintenant un travail complet concernant cette réponse. Pour ceci, je cède la parole à Insaf. Alors, j'aimerais bien rappeler, avant de passer à l'application, que la question est ramifiée. Qui dit question ramifiée dit réponse sous forme de deux paragraphes distincts. Le premier pour qualifier la voix, le second pour relever et commenter et montrer l'effet du procédé d'écriture qui a servi à qualifier cette voix-là. D'autre part, rédiger une question de compréhension veut dire « moi, élève, j'ai compris le texte et je suis capable de le reformuler dans mon propre vocabulaire ». Donc, il ne s'agit pas de plaquer des éléments de réponse ou bien de réécrire le texte. Il s'agit de donner une réponse personnelle, pertinente et cohérente. Autrement dit, la réponse doit être composée de trois parties. Une phrase assertive comprenant une réponse directe,
une partie explication-justification de la réponse et une troisième partie, c'est la phrase de conclusion. Dans ce cas, la réponse serait « La narratrice évoque la voix de son professeur avec beaucoup d'admiration. » Phrase assertive. « En effet, cette voix sonore et lumineuse avait un effet magique sur la narratrice et ses camarades de classe. Toutes étaient attentives et envoûtées par cette voix feutrée. » Dans la douceur et la musicalité, remplissait parfaitement le volume de la classe. Et il s'agit là de la partie explication-justification de la réponse. Et une phrase de conclusion. Ainsi, le professeur a su dominer par sa voix et les esprits et l'espace. Donc, l'objectif premier de cette réponse est de montrer combien cette voix est magique et son effet sur les élèves. À savoir, elle a être capable de les introduire dans le monde des livres, le monde cher au professeur. Donc, pour ce qui est de la question des procédés. شكرا ليك أستاذ إنساف خلينا نتعداو ونشوف مع بعضنا الأستوديو الموازي للاستماع إلى مجموعة من الأسئلة الأخرى حب أذكر ونقول التليفون الموضوع على ذمة الطلبة طلبة البكالوريا بالتحديد 71-800-814 ولا 71-280-089 الكلمة ليكم تفضلوا Bien. Alors, peut-être avant de passer au second volet, celui de la grammaire, rappelons que toutes les réponses doivent être rédigées, c'est-à-dire que les élèves doivent éviter les tirer dans leurs réponses et surtout justifier. Justifier toujours évidemment en vous référant au texte. Juste une toute petite remarque à mes chers collègues sur le plateau. Donc, beaucoup d'élèves vous prient d'aller moins rapidement. D'aller plus lentement pour qu'ils puissent prendre note. Bien, pour le second volet de la grammaire, c'est-à-dire je cède la parole à Madame Neji, elle va vous transmettre les questions. Alors, d'après les questions qu'on a reçues, donc pendant la période de révision, l'élève se trouve un peu désorienté. Il ne sait pas ce qu'il va réviser et comment. Donc, on lui dit d'abord qu'il doit maîtriser toutes les notions étudiées pendant l'année et qu'il a intérêt à n'en négliger aucune. Et mes collègues sur le plateau les lui rappelleront, bien sûr. Alors, pour la question grammaire, donc, c'est une question qui se répète toujours. À quel type d'exercice faut-il s'attendre? Donc, c'est la question qui se répète toujours. شكرا Je لك. passe donc la parole à mes collègues pour شكرا لك أستاذة نجوى شكرا لك أستاذة سيمة على هذه الأسئلة اللي جات الإجابة تكون مع الأستاذة حنان الباروني مع الأستاذ نبيل كلمة لك أستاذ نبيل تفضل concernant la grammaire les élèves se demandent à quel type d'exercice il faut s'attendre alors on va dire que les questions portent sur l'ensemble du programme de grammaire hein. il s'agit d'un travail de longue haleine bien sûr ça va porter sur l'ensemble des apprentissages linguistiques que l'élève a vu durant toute sa scolarité. Hein. Donc il s'agit d'un travail d'intégration, de consolidation, de revoir toutes les notions grammaticales déjà vues en classe. Donc les différents exercices seront autour de trois grands axes, si vous voulez. Alors, il peut y avoir des exercices d'identification, du genre identifier le mode, identifier le temps, la valeur de tel emploi, etc. Ou bien identifier aussi le rapport logique entre deux propositions, identifier le rapport de cause, de conséquence, de concession, etc. Ensuite, on peut faire face à des exercices de transformation ou bien de manipulation. On peut demander par exemple aux élèves de passer du discours direct au discours indirect, ou bien de la phrase active à la phrase passive, etc. Ensuite, il y a un troisième volet. Il peut s'agir de questions de complétion, de production partielle. Par exemple, on peut donner à l'élève la première moitié d'une phrase complexe par subordination. On leur suggère la principale et à l'élève, bien sûr, de terminer le reste en étant attentif, bien sûr, au mode et au temps du verbe de la subordonnée. Alors, on va appliquer un peu ça. Hein. Alors, on peut aller à la diapo suivante. Il s'agit de l'examen du bac 2009, section scientifique. Alors, la question de grammaire est la suivante. Nous ne ferons pas d'économie de village. On demande de réécrire la phrase en la commençant ainsi. Le narrateur a entendu les militaires dire que.
Alors ici, il s'agit bien sûr d'une question qui ne porte aucune difficulté. Seulement, il est important d'être attentif à l'emploi du verbe introducteur qui est au passé, hein, à savoir « a entendu dire ». Alors là, bien sûr, l'élève doit être attentif aux différentes transformations qui vont se faire au niveau de cette nouvelle phrase, transformations au niveau des pronoms personnels, au niveau des temps verbaux, au niveau de certains indicateurs de temps, de lieu, etc. Bon, on ne va pas revenir tout ceci parce que les élèves ont vu ça, bien sûr, avec leur professeur durant l'année. Alors, soit la réponse suivante, nous passons donc à la diapo suivante. Le narrateur a entendu les militaires dire qu'ils ne feraient d'économie de village. Alors là, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une transformation au niveau du temps du verbe. Le futur s'est transformé en conditionnel présent, qui ici, bien sûr, n'a pas de valeur modale. Hein. Il y a la présence d'un nouveau pronom personnel, « il » au pluriel, qui remplace le « nous ». Alors, pour ceci. Ensuite, un autre cas qui est relatif à la grammaire sera traité par INSAF, je pense. Le deuxième exercice que nous vous proposons dans le volet langue est tiré du baccalauréat bac lettres 2009, session de contrôle. Faute d'attentats terroristes, les grandes chaînes données en ouverture une rébellion en Haïti. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Réécrivez cette phrase en exprimant le même rapport logique à l'aide d'une proposition subordonnée. Donc, deux étapes dans le travail. D'abord, un travail de repérage du rapport logique. Il s'agit de repérer le rapport logique qui est là, un rapport de cause, introduit par faute de. Puis, il faut passer de la phrase simple à la phrase subordonnée, puisqu'il faut utiliser la proposition subordonnée introduite par une locution conjonctive du genre « parce que »,« puisque », »,« vu que », »,« comme ». Donc, la réponse sera, on passe à la diapo suivante, donc la réponse sera « les grandes chaînes données une rébellion en Haïti, puisqu'il n'y avait pas d'attentat terroriste ». Notez qu'on a utilisé la négation « ne pas », parce que, faute de, introduit une cause absente qu'il faut reprendre par la négation. Donc, la réponse est « les grandes chaînes donnaient une rébellion en Haïti puisqu'il n'y avait pas d'attentat terroriste ». Merci. نرجو للريجي مرة أخرى حاضر تعديو مرة أخرى للاستوديو الموازي للاستماع إلى مجموعة من الأسئلة الأخرى نحب نذكر كل التلاميذ تلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يتفرجوا فينا يتابعوا فينا يجمو يتواصلوا معنا تواصل حيني تليفون على ذمتكم 71-800-814 ولا 71-280-089 الكلمة ليكم أساتذة تفضلوا Bien, alors je pense que nous sommes arrivés au troisième volet de l'épreuve, c'est-à-dire l'essai. On a reçu en effet une batterie de questions concernant l'essai. Elles tournent toutes autour d'un souci premier, c'est quel plan adopter, donc nuancé ou catégorique. On sait très bien que c'est la hantise des élèves. J'ai des exemples, mais je n'arrive pas à trouver des arguments et vice-versa. Donc, beaucoup d'élèves également à vous confondre la différence entre arguments et exemples. Comment faire justement pour distinguer arguments et exemples? Donc, il faut peut-être rappeler la différence à ces élèves. La différence entre arguments, la différence entre exemple et argument, et comment travailler pour justement, du moment qu'on sait que l'essai est noté sur 10 points, donc leur donner le maximum de conseils pour réussir cette troisième partie de l'épreuve du bac. Et encore une fois, allez-y lentement, mesdames, sur le plateau. Beaucoup d'élèves n'arrivent pas à prendre note. Merci. شكرا لك أستاذة نجوى شكرا لك أستاذة سيمة نرجع لكم الإجابات معكم والإجابة تكون مع الأستاذة نجوى جوشان تفضل. Alors, je vais commencer à répondre tout d'abord sur la question le choix du plan donc à adopter parce que
C'est vrai que nos élèves ont des difficultés à choisir entre le plan catégorique ou nuancé, celui qu'il faut adopter. Donc il suffit d'abord de bien lire la problématique et de suivre la consigne. La problématique peut parfois comprendre un modélisateur du genre toujours, uniquement, peut-être, ce qui orientera l'élève vers une prise de position nuancée. Si la problématique ne le précise pas, l'élève a le choix entre bien sûr le plan nuancé ou le plan catégorique. En ce qui concerne la deuxième question, c'est-à-dire la difficulté à trouver des arguments, d'abord, il faut savoir que un argument, c'est l'association d'idées relatives aux mots-clés. Donc, dès qu'on lit le sujet, on repère les mots-clés et là, on commence à réfléchir sur les arguments que l'on peut utiliser par la suite. Il faut aussi savoir que quand on a trouvé l'argument, il faut l'expliquer. Et souvent, nos élèves oublient d'expliquer l'argument. Là, c'est très important. Après, il faut l'illustrer. Et bien sûr, pour pouvoir l'illustrer, il faut utiliser et intégrer aussi des connecteurs logiques. Voilà. Donc, nous pouvons vous proposer en application un sujet qui est susceptible d'intéresser, d'une part, les sections scientifiques et les sections littéraires. Donc, je vais vous lire le sujet. Un seul mot d'amour, et c'est notre naissance. Écrit Paul Éluard, êtes-vous de ceux qui pensent que l'amour est toujours synonyme de bonheur et d'épanouissement? Voilà, donc je vais maintenant céder la parole à mon collègue. Alors, le travail sur les mots-clés consiste à chercher aussi bien des synonymes que des antonymes, car cette étape, elle va aider l'élève à, premièrement, mieux comprendre le sujet et deux, à trouver des idées qui lui seront utiles. Alors, je vais commencer par expliquer les mots-clés. Donc, je commence par la première expression qui est « mot d'amour ». Qui pourrait signifier une parole, une déclaration, un aveu. On dit avouer sa flamme, déclarer son amour. Le deuxième mot-clé, qui est le terme naissance, qui a le sens de début, commencement. Le troisième terme, qui est donc le mot épanouissement, qui traduit l'idée de la plénitude, de l'accomplissement et de la satisfaction également. Et enfin, le dernier terme, bonheur, qui signifie bien-être, joie, euphorie, plaisir, extase et même jubilation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait retenir aussi bien des synonymes qui vont aider l'élève à chercher des arguments, mais aussi les antonymes qui vont l'aider à chercher maintenant des contre-arguments. Pour ceci, donc, je donnerai la liste des antonymes des mots clés cités tout à l'heure. Alors, pour naissance, on retiendrait le mot mort et fin. Pour épanouissement, je retiendrai le mot malaise et dépérissement. Et enfin, bonheur, on peut lui associer l'antonyme tristesse, souffrance, douleur, blessure également. Alors, on n'oublie pas surtout aussi de noter qu'il y a la présence d'un modalisateur qui oriente l'élève vers donc, la prise de position nuancée. Alors, qui dit toujours, dit parfois, dit dans certains cas, dit pour certains alors que pour d'autres. Alors nous allons nous intéresser de plus près au sujet et donc on va essayer de reformuler la problématique pour dire alors l'amour rime-t-il toujours avec quiétude ou est-il source de tourments et de souffrances? Voilà. Chocolat Lik Oustad Hanan, Kilmalik Oustad Nabil. Oui, merci.
Alors, une question est parvenue de la régie qui était la suivante. J'ai toujours des exemples, mais j'ai jamais d'arguments, alors que faire? C'est une question très importante. Les élèves, lors de leur rédaction des essais, ont toujours la fâcheuse tendance de mettre un inventaire d'exemples sans pour autant expliquer les arguments. Alors, puisque les exemples sont là, on va essayer de travailler sur ce qu'on pourrait appeler une méthode inductive. Ça veut dire, à partir de l'exemple, on va essayer de monter vers l'argument, de monter vers l'idée. Alors, il y a ici un inventaire d'exemples qui sont en relation avec le sujet suivant. Alors, il s'agit de la diapo suivante, dans laquelle il y a plusieurs exemples. Alors, on peut voir ici des exemples qui sont puisés dans des domaines différents, à savoir l'actualité, comme le cas d'Edouard VIII, ou bien le cas, bien sûr, très connu de Diana. Il y a aussi des exemples qui sont tirés de la culture générale, comme Tristan et Iseult, Camille Claudel et sa relation avec Rodin. Enfin, un troisième cas de figure, ce sont des exemples tirés de la littérature, bien sûr, Aragon et Elsa, Julien Sorel, etc. Donc, on peut remarquer ici, dans cette diapo, que les couples légendaires n'ont pas vécu cet amour de la même manière, car il y a certains couples qui ont vécu cet amour avec bonheur, d'autres par contre ont vécu ceci avec souffrance et tristesse. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs exemples qu'on pourrait exploiter en vue de dégager certains arguments. Alors beaucoup d'exemples, par souci de méthodologie, on va essayer d'organiser un peu tout ceci. Pour ceci, je m'efface et je cède la parole à Mme Insaf. Alors, à cette étape du travail, il faut rattacher les exemples à des arguments et à des contre-arguments. Donc, pour cela, vous allez voir apparaître sur écran la diapositive suivante. Donc, pour le couple Wallis Simpson et Edouard VIII, la thèse serait « L'amour est synonyme de renaissance ». Et qui mieux que Édouard VIII peut parler de l'amour? N'est-il pas celui qui a renoncé au trône d'Angleterre pour la beauté et l'amour d'une roturière divorcée? Mais dans ce cas, la raison a le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Alors, pour rattacher l'exemple à l'argument, vous voyez apparaître sur écran donc l'expression « dans cet ordre d'idées ». Cette expression nous permet de rattacher l'exemple à l'argument. Pour ce qui est du contre-argument, Najwa s'en charge. Elle va vous parler du côté sombre de l'amour. Alors, j'ai à vous parler, bien sûr, du côté sombre et triste de l'amour, mais bon, il faut bien être réaliste. Alors, dans cet argument-là, c'est l'amour souffrance, source de souffrance. Et on va prendre l'exemple de Diana, donc cette princesse, qui n'a pas su résister. Et donc, les intérêts et le protocole de la cour royale ont étouffé son amour avec Charles. Pour pouvoir introduire donc cet exemple, vous pouvez remarquer que l'expression « c'est certainement » et elle nous a permis en quelque sorte d'expliquer l'argument et bien sûr d'aboutir à l'exemple, celui de Diana. Voilà. Alors, Najwa, le deuxième argument qui va avec la thèse « L'amour est renaissance et bonheur » est « L'amour est sacrifice de soi ». Et l'exemple que nous citons est « Tristan et Iseult ». Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lamartine ne